Salut les amis, salut tout le monde et il faut les plus bienvenue sur votre chaîne préférée Afrique Vie. Aujourd'hui, on s'étape une nouvelle partie d'information, notamment du côté du Sahel, où nous avons une très grande et bonne nouvelle qui vient de frapper le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et bien les amis, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge juste en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti après le petit générique. Bon visionnage. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Le 16 septembre dernier, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont signé la charte du Litako Gourma, instituant une nouvelle alliance entre les trois États du Sahel. En plus des faits fonds communs contre l'insécurité et les conflits menés par des groupes armés non étatiques, il est question d'une plus grande coopération économique avec la création d'une banque d'investissement et d'une monnaie commune. Une annonce intervient au lendemain de la rencontre entre les trois ministres des Finances de ces trois pays fondateurs. Depuis, Issouf Boubacar Kodo, politologue et analyste des finances publiques, affirme un optimisme certain. Nos pays ont compris qu'ils n'ont pas le choix. Rappelez-vous, la réunion entre Ouattara Macron, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, à la sortie de la réunion, Macron disait qu'il n'y aura pas de négociation avec le Niger tant que Bazoum n'était pas libre. Vous voyez à quel point c'est lui qui tirait les ficelles. La monnaie, c'est un instrument de souveraineté, et tant que tu ne gères pas de monnaie, tu n'es pas souverain, déclare Issouf Boubacar Kodo. L'Alliance des États du Sahel ambitionne également le renforcement, la fluidité de la sécurité des corridors d'approvisionnement ainsi que l'accélération de la mise en œuvre des projets du programme énergétique et agricole idyllique d'intérêt commun. C'est une belle opportunité pour ces trois pays et cela représente plusieurs avantages socio-économiques, affirme de son côté Ambali Dodo, économiste. Et bien les amis, c'était tout de ce qui était pour notre petite note informative, car si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et à très bientôt pour une nouvelle partie d'information. À très bientôt les amis. Bye bye.